Ben, comme je le connais, nous avons un nouveau exécutif. Tiens, un peu. Thomas. Parce que tu es resté dans le nouveau exécutif, tu as un mal ajustement que nous devons faire. Thomas. Nous finissons faire un mal ajustement là, mais nous supposons après. Et comme je le connais, nous augmentons le nombre. Ça, deuxièmement, nous élisons nos bureaux politiques. Mais je suis capable de douter là, déjà. Vous dites seulement non là, peut-être non. Ça, vous devez le dire là. Merci. Comment ça n'est mm-hmm. Alors, le nouveau président d'honneur, c'est M. Kalash Payag, ancien président, ancien député par ministre. Le nouveau secrétaire général, c'est M. Vitesse Rampol. Il est à côté honorable, Vitesse Rampol. Le secrétaire administratif, l'honorable Echan Djouman, et aussi Diraj Kamadit. Je suis bien dire que le nouveau chairperson de Women's League, c'est Madame Aïla Amrita Boulaki, à côté là. C'est lui qui est en charge de Women's League. Et Young Labour, c'est toujours Fabrice David. Et nous avons un vice-président, tout le temps nous faisons l'énorme, un peu important vice-président, hein? Satis Fogou, Anil Bechou, Shakil Mohamed, Rajesh Jita et Ksouren Dayal. Et là, le directeur, le trésorier, c'est toujours M. Sébène Bounouzami. Le directeur de communication, M. Raviraj Bichouk. Pourquoi il est là même là, on va l'écouter. Trop loin derrière là-bas. Oui. Le directeur de stratégie, innovation et transformation, c'est M. Danis Dambri. Directeur international, relations internationales, c'est M. l'honorable Ousmane Mohamed. Directeur National Policy Forum, Dr. Farah Demir. Directeur Field Operations, Dr. Robin Boulel, mon copain meilleur qui est là, terrain. L'honorable, l'honorable, directeur Campaign Committee, Lomesh Bandou. Director Research Unit, Stéphanie Anctil, l'honorable Stéphanie Anctil. Deputy Secrétaire Général, c'est M. Sidney Pierre. Deputy Administrative Secretary, c'est M. Rajan Sitol. Deputy Chairman, Chairperson Young Labour, c'est M. l'honorable Mahen Gangaprasad. Le député directeur de stratégie, innovation et transformation, c'est M. Kader Saïd-Hussein. Député directeur National Policy Forum, M. Pradik Pitambor. Député directeur Field Operations, l'honorable Nitin Boudjit. Directeur Human Resources, un nouveau poste qui nous crée, c'est M. Avinash Ramtol. Député Chairperson Women League, c'est Mme Roubna Doriaou. Deputy Director of Campaign Committee, M. Chandra Prakash Ramkilawan. Deputy Director Research Unit, M. Edley Simon. Deputy Treasurer, l'honorable Michael Siken. Deputy Director de Communication, M. Kevin Gatti. Après Manmom, M. Raj Pentia, M. Shamim Kadam Ali, Mme Sila Sinaren, Madame Mirella Palmier, Docteur Pravish Shiraj Suka. Pourquoi ce chinois comment dire Pravish Shiraj Suka. Ouais. Après, il y a M. Reza Samtali, qui vient de membre, M. Brian Glover, qui n'est pas derrière, tout là-là. M. Mahen Bundia, M. Menon Yeti, ancien maire, Bakwa Phoenix, et Mlle Amla Devi Simpson. Alors, tout le monde, dit que vous êtes président de facto. Président de facto, M. Patrick Asmanen, leader de facto, et président de l'ONU de facto. Alors, la liste, c'est un peu bonnet, non? Vous connaissez la petite question, vous répondez à la question. Oui. Mais ça pose ça, vous connaissez, vous avez dit que moi, je suis une leader. Monsieur Ramel Djilot, c'est député leader. Là, nous avons décidé pas nécessaire un député leader pour le moment. Donc, pas tiennant, pas une longue période, pas tiennant, jusqu'à Dr. Rachid Bibizan, tu nommes député leader.
Là, nous, dans sa postage, nous besoin, nous pouvons mettre le boulot, mais qu'il faut dans le temps à venir. Pas nécessairement besoin faire des audits. Sauf oui. L'élection de l'ex-secrétaire général du parti, on pas trop grand chose pour dire toujours on dit que mais ça rien mais du monde libre pour faire ce qu'il a envie, faut pas contrôler du monde dans pas ça valise. Et ma première question est cette personne me pose cette analyse qui est capable, parce qu'elle est capable de mettre qu'un aspirateur comme ouais une guitare comme dit travail sous dans ça. Mais pas juste là, on coupe plein là. Non, Kalash, je vous fais une vidéo. Attendez, attendez. Si vous voulez pas attendre. Oui. Oui. Non, pas pour une fois. Non, non, non. Une spéculation, on ne peut pas dire ça à moi. Mais tout le monde, personne n'est pas éternel. Après, moi, mon but, c'est préparer l'arrivée, bien mis à préparer l'arrivée. D'ailleurs, tout le monde retient, une partie du monde retient. Donc, ça qui me peut vous dire. Mais l'objectif, c'est bien faire ça pour le mal. C'est ça l'objectif. Non. Vous êtes simple, non. Moi, on connaît, est-ce que vous connaissez? Moi, monsieur Kalash Paragri, vous dites ouf. On ne partit ni depuis que l'idée, ni non, ni moi. Moi, c'est même membre. Le pasteur est ça. Vous mourrez la passe. Parce que vous êtes un peu, vous connaissez, vous êtes un peu rebelle. Par contre, là, pour le moment. Est-ce que le jugement de la présidente, le renvoi du chapeau national, le renvoi de l'État, aussi, Non, aucunement ça. Nous respectons la justice. Moi, je fais confiance pour mon avocat. J'ai 11 cas contre moi. Moi, mon avocat, je connais que c'est mon avocat là. Je fais une défense moi. Et tous les 11 cas, je suis gagné. Un cas, il y a l'appel. Je toujours fais confiance pour mon avocat. Et justement, suite à ce jugement-là, la Bajina a versé une conférence de presse. C'est un cadeau là que je vais goûter à moi, c'est un cadeau que je vais goûter là. En conférence de presse, c'est un dit que c'est un marché qui vient, qui a encore mal de démission. Je connais parce que je n'en casse plein. Là-bas, qu'il y a un je connais qui travaille sur le cas à faire. Sur moi, je le connais. Oui. Of course, mon désaccord ça. Moi aussi, mon désaccord ça. Le affaire qui nous discutait à Pizin, à M. Sinon, il est toujours pareil. Hein. Mais non, c'est non, l'autre moyen. Après la position du bureau politique, est-ce qu'il y a un travail qui travailler sur le congé? Oui, nous l'annonçons aussi. Hein. Il y a deux, trois affaires qui peuvent arriver là. Le mercredi, le 14, à 14, hein, non 14, 14 oui. Octavier. Et non, M. Milan Bitterban qui fait une conférence, le SSO et le changement constitutionnel qui vient d'arriver. Il a fait une recherche sur la loi. Après ça, nous prenons le samedi, c'est samedi, non? Samedi le 17. Samedi le 17. 18h30. 18h30, le samedi pour le déposer. Le dimanche 18, nous prenons un rassemblement. Comment on met ça? 10h. À Kewalnagar. Après ça, là, nous vous joignons pour nous commencer à organiser un congrès et ma mythique aussi comme une différence de conception. Si nous comprenons bien là, depuis qu'il fait le comité de l'entrée, arrivé ici, une personne de l'autre politique, configurer l'accord de principe qui a été négocié avec des joueurs, complètement écouté la manie. Même man, pour réduire, meeting, tout ça, là, finalement. Non, jamais, jamais, ne pas ça, non, meeting en commun, jamais. Ah, je peux causer, comme Adorvin, je peux causer. Je te dis, si jamais un coup de cause, gouvernement, quoi,
vous prenez le poste sur le conseil municipal, mais vous voulez aller, vous êtes un de la qualité. C'est une bonne bite. Oui. Là, pour le moment, nous concentrons l'eau pendant qu'ils s'occupent pas ce travail pour faire. Comme nous disons, nous avons des trois fonctions, plus nous concentrons le bal concret, nous avons consolidé nous assis, nous montrons la fonction de l'autre jour là, le congrès. Nous ne donnons ni bis, ni bouillani, non, rien. Vous trouvez vous-même. Ça qui est une fatigue, madame. Nous connaissons une fatigue de ce côté. Vous êtes un cousin, vous êtes quoi en chute libre là? Vous finissez de trouver que ça se perd. Vous êtes toujours que c'est Claude? Non? Pas de travail, c'est un moulin. Ça se perd. Vous savez, on est kiffé. Nous avons un petit peu de nous à penser. Pas d'impression qu'il y a une pause. Sorry. Aucune condition pour ce travail, même pas pour qu'on impose le poste de travail. Ni nous, si nous voulons imposer le travail, nous ne pouvons pas négocier comme ça, pas imposer les conditions. Négociation, mais bien négociation, pas imposer. Non, moi, je connais mon avocat, je dis que je peux le faire. Là, je connais, je peux étudier pour faire un appel. Attends, nous, je dis. Un bon ancien, hein? Ouais. Et aussi, comme il va de nouveau l'ancienne équipe de politique, comme il va de nouveau Nous ne pouvons pas faire ce calcul là, mais seulement on doit passer dans un esprit de. C'est bizarre faire certaines places pour certains de nous. Parce que nous devons renouveler, aucun parti politique n'a pas survi s'il n'a pas renouvelé sur un membre. C'est ce que nous faisons. À peu près 50%. À peu près 50%, mais nous ne pouvons pas connaître ça. À peu près. Il y a une balance entre les bandes qui ont l'expérience et les jeunes. Il y a à peu près 50 groupes. C'est une question, c'est leader admirable. Mon moi-même. Parce que mon moi-même. Moi-même. Vous bien qu'on une question pour moi. Pour qui vous travaillez? Défi. Radio Plus. Ouais. Et les constitutions de Côte d'Ivoire, il paraît qu'il n'y a pas une élection municipale de cité. Pas connu. Moi, pas pour tellement plaisir que ça, parce que certaines affaires pas arrivées, qui peut-être pas au courant. Par exemple, vous connaissez certaines larges, qui sont rapides. Et de l'autre côté, t'arrives vite. Donc tout ça, nous devons aider. Ça nous a fait beaucoup attention. L'appel avec Bandimoun, quand la liste sortie, je suis bizarre, pas quoi qu'il a causé de voter dans les élections pour voter sans coup là, parce qu'il y a un système qui tient pas non. Vous connaissez comment ça me l'a fait travailler. Donc, je suis bizarre, obligatoirement, il check votre nom et gagne ça, petit code là pour connaître votre nom, il check lui là. Docteur, est-ce que c'est bon qu'il ait initié un du PMO qui approche des émissions travaillistes? Une alliance avec Travaillis. Non, moi, pas entendu, hein. Sûrement, ça, sûrement, mais non. Moi, pas entendu, moi, j'ai dit le tout là. Oui. Vive ma lips. Oui. Moi, tout ça, dégoûtant. Dégoûtant. Parce qu'il y a des gens qui gagnent sur la vie privée. Dégoûtant, inacceptable. Pas un mot qu'on exprime pour exprimer. Comment ils ont fait quand même accepter ça? Allez, ok, merci. C'est bon. Allez, ok. Merci.